dimanche 14 janvier 2024. Bienvenue à tous dans les quintés du jour. Une course assez intéressante sur la grande piste de Vincennes. Ce sera la quatrième course, 18 concurrents sur une distance de 2850 mètres. La location est de 120 000 euros. Si c'est votre première fois de nous entendre, moi c'est Olivier, propriétaire de la chaîne Base Béton. Dans cette chaîne, je donne des astuces et des pronostics gratuits, aussi des pronostics VIP et des méthodes fiables pour les quintés du jour. N'hésitez pas toutefois de nous écrire si vous êtes vraiment intéressé par nos méthodes, nos pronostics pour les quintés du jour. Bien, sans pour autant perdre le temps, nous allons passer à l'essentiel. Comme je le disais au début, aujourd'hui c'est une course assez très 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 intéressante dans la mesure où nous voyons, il y a vraiment beaucoup de drivers assez expérimentés comme Michel Bazir dans cette course et tant d'autres. Pourquoi? Parce qu'avec cette course, les trois premiers auront vraiment possibilité de participer dans des grands prix comme les prix d'Amérique, les prix de Paris, ainsi de suite. C'est pourquoi c'est n'est pas une mince affaire. Les drivers ne vont pas se laisser dans cette course. Ils vont devoir vraiment se donner la peine de se retrouver parmi les trois premiers. Alors, dans cette course, nous retrouvons aussi des chevaux qui peuvent toutefois surprendre bon nombre de parieurs dans la mesure où ils seront totalement négligés. Nous retrouvons par exemple les chevaux 1, 12, 14, 16. Ces quatre chevaux vont rencontrer des nouveaux drivers. C'est-à-dire, ça sera leur première fois de conduire ces chevaux. Ces quatre chevaux ne sont pas du tout à rejeter comme bon nombre de parieurs le font. Alors, nous passons ici première classe. Nous allons classer les chevaux qui sont considérés comme étant les favoris, les chevaux qui sont déterminés dans cette course. Nous avons premier cheval, comme vous le savez très très bien, nous avons le cheval 10. Après le cheval 10, nous avons le cheval 3 qui sera conduit par Michel Bazir. Nous avons le cheval 4 4 Nous avons aussi le cheval 14. Et enfin, nous avons le cheval 9. Voilà les cinq chevaux qui sont considérés comme étant les favoris. Mais parmi les trois chevaux ici, je mets en rouge, ce sont les chevaux vraiment, vraiment à ne pas s'hasarder avec. Ces trois chevaux. Ces trois chevaux.
ici. 10, 3, 4 sont les chevaux à ne pas vraiment négliger. Nous passons à la deuxième classe. Deuxième classe, nous retrouvons les chevaux suivants. Retrouvons cheval 2. 2. Retrouvons le cheval 4. 5. 15. 15. Et enfin, le cheval 11. Ça, ce sont les chevaux de la deuxième classe. Je dis bien les chevaux de la deuxième classe. Nous avons le cheval 2, 4, 5, 15 et 11. C'est-à-dire comme les 4 déjà. Les 4 ici. Et en même temps ici. C'est-à-dire, c'est un cheval à ne pas vraiment négliger. Nous passons directement troisième classe. Quels sont ces chevaux? Les chevaux de la troisième classe. Nous avons le cheval. Cheval 14, nous retrouvons encore le cheval 12, et enfin le cheval 16. Et surtout ici, faut faire attention avec le cheval 16 à ce niveau. C'est un cheval surprenant. Voilà tout pour aujourd'hui. Et à ce qui concerne nos pronostics trio, aujourd'hui on donne les trios. C'est-à-dire, on préfère prendre les trois. Et les 10. X. Et derrière, on met 16, tout dépend de votre possibilité. Après 16, et on met le cheval 14. Après 14, on peut ajouter aussi le cheval 4. Voilà tout pour aujourd'hui. Nos pronostics fiables et nos méthodes fiables sont vraiment disponibles. Bonne chance à tous. Bye et à la prochaine.